Salut à tous, aujourd'hui on va voir ce que c'est que les groupes en mathématiques. Alors qu'est-ce que c'est qu'un groupe? Un groupe, ça va être une structure algébrique qui va permettre de modéliser les symétries. Alors qu'est-ce que j'entends par symétrie? Donc je vais vous donner un premier exemple de groupe et je vais vous expliquer pourquoi c'est un groupe. Donc le groupe qu'on va étudier, c'est le groupe des symétries du triangle. Donc imaginons que je prenne un triangle et je vais regarder quelle transformation de l'espace laisse mon triangle inchangé. Par exemple, si je le pivote de 360, de 120 degrés, hop, je vais obtenir quoi? Je vais obtenir le même triangle. Okay? Donc ça, c'est une symétrie du triangle. Alors pour distinguer qu'est-ce qui va se passer, je vais écrire un petit f dessus pour voir qu'est-ce qui se passe. Donc là, par exemple, mon f, il deviendrait comme ça. Mais en réalité, il faut s'imaginer que c'est le même triangle. Hein. Je mets le f juste pour qu'on puisse voir ce qui arrive sur le triangle. Si je refais une rotation de 120 degrés, et ben j'obtiens le triangle suivant. J'obtiens ça. OK. Et si je refais 120 degrés, j'arrive sur mon triangle initial. Hop. Si je refais 120 degrés, je reviens au point de départ. Mais j'aurais pu faire une autre transformation qui garde le triangle inchangé. J'aurais pu faire une symétrie par rapport à cet axe-là. J'aurais pu retourner mon triangle. Et dans ce cas-là, si je fais cette transformation-là, que je vais noter comme ça, eh bien, je vais obtenir ce triangle-là. OK? Et j'aurais pu aussi faire une symétrie par rapport à cet axe-là, que je vais noter comme ça. Cette symétrie-là, on aurait eu quoi? Hop. On aurait eu finalement. Alors mon trait, il serait là, donc on aurait eu ça. Ah non, c'est pas possible, c'est celui-là. Je dis des bêtises, on aurait eu quoi? On aurait eu ça. Okay. Et j'aurais pu aussi faire une symétrie par rapport à cet axe-là. Et dans ce cas-là, donc je vais noter ça comme ça, j'aurais obtenu quoi comme triangle? J'aurais obtenu. Ben, le dernier que j'ai pas, donc celui-là. J'aurais obtenu. Oups. J'aurais obtenu celui-là. Super. Mais en fait, là, j'ai fait toutes les symétries possibles du triangle parce que, en fait, je vois que si je pivote mon triangle, en fait, si je le pivote de 120 degrés vers la droite, je vais obtenir lequel? Je vais obtenir celui-là. Si je pivote de 120 degrés. Et si je le repivote de 120 degrés, j'obtiendrai quoi? J'obtiendrai celui-là. Et si je le pivote encore de 120 degrés, j'obtiendrai celui-là. Finalement, j'ai fait toutes les possibilités. Et donc, on va noter ce groupe. Je vais le noter S3. Ça va être le groupe des symétries du triangle. Alors attention ici. Donc, mon groupe, il va contenir des éléments. Et ces éléments, ça ne va pas être le triangle, puisque le triangle, il reste inchangé. Il est toujours pareil tout au long des opérations. Ce qui va changer ici, c'est les symétries. Donc, c'est vraiment les symétries que je modélise. Et donc ces symétries, je vais les noter avec le nombre de degrés, par exemple pour les rotations. Donc je vais noter ça 120 degrés, 240 degrés, 360 degrés, bon bah c'est le fait de faire tout le tour là, pourquoi pas. 360 degrés, ensuite on a la symétrie par rapport à cet axe-là. Oups. On a la symétrie par rapport à cet axe-là. Et enfin, on a la symétrie par rapport à cet axe-là. Alors, je vais noter ça comme un ensemble. OK. Et il me faut une opération pour que ça forme un groupe. L'opération, ça va être de composer les symétries les unes après les autres. Donc ça, c'est la composition. Et donc, ça veut dire quoi la composition? Ça veut dire que je peux faire une rotation de 120 degrés et ensuite faire une réflexion comme ça par rapport à cet axe-là. Et on a vu que ça pouvait faire toutes les symétries du triangle. Donc, quels sont les axiomes à vérifier pour que ça forme effectivement un groupe? Je vais écrire les axiomes en dessous. Donc, un groupe G, c'est un ensemble E d'éléments qui modélise en quelque sorte des symétries, mais bon, on peut voir que c'est plus général que ça. Et ici, on va avoir une opération. Alors, l'opération, elle peut avoir n'importe quel nom. Pour l'instant, on ne va pas forcément lui donner de nom. Pour l'instant, je vais la noter avec un petit poisson pour montrer que ça peut être n'importe quoi.
Et il faut plusieurs choses. Donc il faut d'abord, premièrement, que le petit poisson, ce soit une loi de composition interne. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que la loi petit poisson, elle va prendre deux éléments de E et elle va me renvoyer un nouvel élément de E. Et donc il faut que ça reste dans E. Ensuite, deuxièmement, il faut qu'il y ait un élément neutre. Donc il faut qu'il existe un élément petit e qui appartient à grand E. Ça va être notre élément neutre. Tel que pour tout élément x quelconque de E, si je fais E poisson x ou si je fais x poisson E, c'est la même chose et ça me donne x lui-même. Donc il faut qu'il y ait une symétrie qui fasse rien, un élément neutre. Et enfin, il faut qu'il y ait l'associativité. L'associativité, c'est le fait qu'on peut mettre les parenthèses comme on veut. Donc là, c'est pour n'importe quel x, y, z. Si je poissonne x avec y et que je le poissonne ensuite avec z, si je mets les parenthèses à gauche, eh ben c'est pareil que de mettre les parenthèses à droite. Et en fait, ça, c'est des choses qui sont automatiquement vérifiées par la composition. Donc si on vérifie en haut, je reviens sur mes groupes de symétrie du triangle. Et ben ici, ça marche bien. Donc pourquoi? Parce que notre élément neutre, ici, E, ça va être quoi? Ça va être la rotation à 360 degrés, puisque ça ne fait rien du tout de pivoter à 360 degrés. Ensuite, est-ce que notre composition, c'est bien une loi de composition interne? Ben oui, parce que la composition, ici, elle va prendre deux symétries du triangle, et quand je les compose ensemble, ça me donne une nouvelle symétrie du triangle. Donc c'est bien une loi de composition interne. Et est-ce que c'est associatif? Ben vous pouvez vérifier que oui, la composition c'est associatif, c'est-à-dire que je peux d'abord faire 120 degrés, puis cette symétrie et 120 degrés, ou alors j'aurais pu faire cette symétrie et 120 degrés, et avant avoir fait 120 degrés. En fait, je peux... Comment dire? Imaginons que j'ai une transformation ici, une transformation ici, et une transformation ici. Bon, faut suivre les petites flèches, quoi. Ben vous voyez bien que je peux suivre cette flèche, puis suivre les deux flèches-là. Je peux faire ça, puis ça. Où je peux aussi bien faire ça, puis ça. C'est la même chose, on va faire les mêmes choses. Donc la composition est toujours associative. Quand on est dans une loi de composition interne. Parfait, donc on a élément neutre. Ah, j'ai oublié l'élément plus important. Donc ça c'est les axiomes du monoïde. J'ai oublié le plus important. Ça c'est monoïde. Et il y a un quatrième axiome qui est ultra important pour que ce soit un groupe et pour que ce soit effectivement une symétrie. C'est le fait que chaque élément a un symétrique. C'est le plus important. Bon, je vais noter Y ici. Donc pour n'importe quel élément de E, il y a un symétrique. Et le symétrique, il sert à quoi? Si j'applique, enfin si je fais X poisson Y, c'est pareil que de faire Y poisson X. Et il faut que ce soit égal à l'élément neutre. Donc en gros, on a moyen de retrouver l'élément neutre à partir de n'importe quel élément de notre groupe. Donc ici, est-ce qu'on a bien un symétrique pour chaque élément? Bah oui, si par exemple je fais une rotation à 120 degrés, le symétrique ça va être de faire une rotation à 240 degrés. Je vais obtenir 360 degrés. Et si je fais une symétrie par rapport à un axe, et bah si je refais la même symétrie par rapport à cet axe, bah j'obtiens l'identité encore une fois. Parce que si je refais la même symétrie, hop, je reviens au point de départ. Donc ici, on voit bien qu'on a tous les axiomes du groupe qui sont réunis, donc ça forme bien un groupe. Donc je répète, hein. Pour un monoïde, j'ai juste besoin des trois premiers axiomes. Et pour un groupe, j'ai besoin des quatre premiers axiomes. Donc, si j'ai les quatre axiomes, alors j'ai un groupe. Ok, super. Donc, alors à quoi ça sert les groupes? Les groupes, c'est super important. C'est super important en mathématiques. Ça a été inventé par Évariste Galois, un brillant mathématicien qui est mort très jeune. Il est mort dans un duel pour l'amour de sa vie. Et personne à l'époque n'avait compris ce qu'il avait fait. Personne n'avait compris et son papier avait été rejeté de l'Académie des sciences. Et ce n'est que plus tard qu'on a compris à quel point ses travaux étaient fondamentaux et très importants pour comprendre d'un point de vue abstrait les symétries des objets mathématiques. Donc maintenant, je vais donner quelques exemples. Je vais donner des exemples de groupes et de choses qui ne sont pas des groupes. On va voir qu'est-ce qu'un groupe, qu'est-ce qui ne l'est pas. Alors bon, l'exemple le plus fondamental de groupe qu'on puisse penser, c'est Z, muni de l'addition usuelle. Donc ici, Z, c'est quoi? C'est tous les nombres donc, négatifs et positifs qui sont entiers. Donc on a moins 3, moins 2,
moins 1, 0, 1, 2, 3, etc. Bon, et quand on additionne deux nombres comme ça, deux nombres entiers positifs et négatifs, bah, on est bien encore dans les relatifs. Ensuite, donc c'est bien notre composition interne. Est-ce qu'il y a un élément neutre pour l'addition ? Oui, il y a le 0. Si je fais 0 plus n'importe quoi, ça me donne ce n'importe quoi. Est-ce que c'est associatif ? Oui, l'addition est associative. Et est-ce qu'il y a toujours un symétrique ? Eh bien oui, si je prends par exemple 2, bah, son symétrique, ça va être moins 2, c'est son opposé. Parce que 2 plus moins 2, ça fait bien 0. Donc ça, c'est l'élément, c'est le groupe de base auquel on peut penser. Alors on va voir un autre groupe intéressant. On va voir par exemple z sur nz. Avec l'opération plus, mais alors je vais la noter un petit plus avec un tilde pour qu'on la différencie. Donc là, il faut s'imaginer que ce groupe-là, c'est comme de compter sur une horloge. Donc là, je vais décrire par exemple z sur 12z. Z sur 12z, c'est littéralement une horloge. Donc on a 12 nombres sur une horloge. Alors là, c'est 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Voilà. Et donc ce qui se passe, alors j'ai noté 12 par 0, vous allez voir pourquoi. Oups. Le 8, il est là. 9, 10, 11, et le 12, on revient à 0. Et donc ce qui se passe, c'est que quand on va faire x plus notre plus bizarre y, là, ça va être égal à quoi? Ça va être égal à x plus y modulo 12. Ça veut dire que si on dépasse 12, eh ben on va soustraire 12. Donc je vous donne un exemple. Si je fais bon, 3 plus 4 avec notre opération bizarre, ça ne change rien, c'est toujours 7, puisqu'on ne dépasse pas 12. Mais si je fais par exemple 8 plus 8, alors 8 plus 8 ça fait combien? Ça fait 16. Et 16, vu qu'on dépasse 12, on va soustraire 12 et on va obtenir finalement 4. Okay, donc c'est littéralement comme compter sur une horloge. Alors ici, est-ce qu'il y a un élément neutre? Donc on va regarder, est-ce qu'il y a un élément neutre? Oui, ici notre élément neutre c'est 0. Ok. J'ai oublié, est-ce que plus c'est une loi de composition interne? Bah oui, parce qu'on reste toujours sur l'horloge. On reste sur l'horloge, donc on obtient bien une loi de composition interne. Ça, ça marche bien. Ok. Maintenant, est-ce que c'est associatif? Donc oui, bon, ici vous pouvez vérifier que c'est associatif. Ça, il n'y a pas de souci. Et est-ce qu'il y a toujours un symétrique? Alors le symétrique, il est tout simple à calculer. Si j'ai x et je cherche son symétrique, le symétrique de x, ça va être quoi? Donc je vais noter le symétrique avec un petit moins 1 là. Ça va simplement être égal à 12 moins x. Pourquoi? Parce que si je fais x plus x moins 1, ou x moins 1 c'est son symétrique, hein, je vais obtenir x plus 12 moins x. Ça c'est égal à x moins x, ça s'annule, donc c'est égal à 12. Et 12, vu qu'on est sur l'horloge, hop, c'est égal à 0, notre élément neutre. Donc on a bien un groupe. Ce groupe, il est super important. Donc on l'appelle z sur nz parce qu'on compte sur l'horloge et on pourrait changer le nombre de crans qu'il y a sur l'horloge. Là, j'ai mis 12. Mais on aurait pu mettre une horloge avec 5 crans, 6 crans, 25 crans. Peu importe. Et ce groupe, il est super important, notamment pour faire des calculs en cryptographie, par exemple. Mais on le retrouve à plein d'endroits. Bah, rien que sur une horloge, on le retrouve. Ok. Ensuite, je vais vous parler d'une autre chose. Je vais vous parler du vrai et du faux. Donc, alors là, cette fois-ci, imaginons qu'on va étudier l'ensemble vrai-faux. Ça va être notre ensemble E. Et l'opération ici, ça va être le XOR. Alors, qu'est-ce que c'est que le XOR? Le XOR, c'est une opération logique qui va être vraie si et seulement si un seul des deux éléments qu'on lui donne est vrai. Alors je vous donne la table de vérité tout de suite pour que ce soit plus clair. Imaginons que j'ai x, y, c'est deux variables propositionnelles, et là je vais calculer x, xor, y. Hop. Donc si j'ai vrai et vrai, il faut que ce soit faux, parce qu'il faut qu'il n'y en ait qu'un seul des deux qui soit vrai. Si j'ai vrai, faux, c'est vrai. Si j'ai faux, vrai, c'est vrai. Et si j'ai faux, faux, bah c'est faux. Donc on peut voir l'opération xor comme un ou bien. C'est x ou bien y. Et si les deux sont vrais, c'est pas bon. Alors ça, est-ce que ça forme un groupe? Ben vous pouvez vérifier que oui, ça forme bien un groupe. Donc notre élément neutre, c'est quoi? Notre élément neutre, ici, ça va être le... Ça va être le quoi? Ça va être le faux.
Pourquoi? Parce que quand je fais faux XOR quelque chose, eh ben j'obtiens exactement ce quelque chose. Ça, c'est la même chose. Ok, donc notre élément neutre, c'est faux. Bon, vous pouvez vérifier que c'est associatif. On ne va pas le vérifier, mais c'est associatif. C'est bien une loi de composition interne, puisqu'on reste toujours dans vrai et faux. Donc c'est bien une loi de composition interne. Et le symétrique, ce qui est super intéressant dans ce groupe-là, c'est que X est son propre symétrique. Chaque élément est son propre symétrique. Pourquoi? Parce que si je fais vrai XOR vrai, ça me donne faux, qui est l'élément neutre. Et si je fais faux XOR faux, ça me donne bien faux, qui est l'élément neutre. Et donc ça, c'est super pratique. Pourquoi c'est super pratique? C'est super pratique notamment en cryptographie, parce que je peux encoder un message facilement. Si par exemple j'ai un message codé M qui est formé d'une suite de bits, une suite de bits, je peux le voir comme une série de vrai-faux. Donc imaginons que j'ai 1, 0, 1, 1, 1, 0, bon je donne des bits au hasard, hein. Et ben, je peux créer une clé K au hasard, là je crée une clé K au hasard, mettons que j'ai une clé K au hasard, ok. Et ben, je peux chiffrer mon message en faisant MXORK, et j'obtiendrai quoi? J'obtiendrai ici, donc là je fais le XOR bit à bit, donc là 1 XOR 0 ça fait 1, 0 XOR 0 ça fait 0, 1 XOR 1 ça fait 1, 1 XOR 1 ça fait 1, 1 XOR 0 ça fait 1, 0 XOR 1 ça fait 1, 1 XOR 1 ça fait 0, et 0 XOR 1 ça fait 1. Et ce message-là, c'est impossible, impossible de retrouver M à partir de ça, si on n'a pas la clé. Mais si j'ai la clé, eh ben je peux faire quoi? Je peux faire mon message chiffré, ça c'est mon message chiffré, c'est chiffré. Eh ben, je peux re-XOR K si j'ai la clé. J'ai la clé. Si j'ai la clé, je peux re-XOR K, et comme c'est associatif, on obtient ici cette chose-là. Sauf qu'on a dit que chaque élément était son propre symétrique. Donc ça, finalement, ça vaut l'élément neutre. Donc ça vaut que des zéros. Et vu que l'élément neutre, il change rien à m, ça c'est l'élément neutre, hein, on obtient simplement m. Donc on a su déchiffrer notre message. Donc le seul souci de cette méthode de chiffrement, c'est que la clé est aussi grande que le message à chiffrer. Donc c'est un peu bête, parce qu'on doit se balader avec une clé qui est aussi longue que notre message. Donc finalement, le problème vient de comment on se transmet la clé. Mais ça a déjà été utilisé parce qu'il n'y a pas de système de chiffrement plus efficace. Donc ça a été utilisé pendant la guerre froide avec des espions qui se baladaient avec une mallette remplie de bits comme ça qui va être une clé matérielle, et on se passait la clé matériellement, et du coup, on pouvait chiffrer comme ça un message assez long. C'était utilisé pour le téléphone rouge, je crois. Ok, alors on va voir un dernier exemple. On va voir cette fois-ci les chaînes de caractères. Donc cette fois-ci, imaginons que là, on ait les chaînes de caractères. Et ici, l'opération, alors je vais l'appeler plus plus, ça va être la concaténation. Donc je donne un exemple. Si j'ai bonjour, et ensuite je vais concaténer avec, je sais pas, Paul. Et bien ça va me donner bonjour Paul. Donc la concaténation, c'est littéralement coller les chaînes de caractères entre elles. Alors on va vérifier est-ce que c'est un groupe ou pas. Alors, est-ce que c'est une loi de composition interne? Oui, parce que je prends des chaînes de caractères, je renvoie une chaîne de caractères, ça marche. Est-ce qu'il y a un élément neutre? Eh bien oui, c'est la chaîne de caractères vide. Si je rajoute une chaîne de caractères vide au début ou à la fin, ça ne change rien à ma chaîne de caractères. Ok. Est-ce que c'est associatif? Alors je vous laisse vérifier que oui, c'est bien associatif. Donc ça forme déjà un monoïde, mais ce n'est pas un groupe. Il n'y a pas de symétrique. Pourquoi? Parce qu'une fois que j'ai rajouté Paul à bonjour, par exemple, en faisant bonjour Paul, il n'y a rien que je puisse ajouter pour retirer Paul. Je ne peux que ajouter des nouveaux caractères dans ma chaîne de caractères. Donc il n'y a pas de symétrique ici. Donc ça ne forme pas un groupe, mais un monoïde. Donc on a vu comment est-ce qu'on pouvait échouer à être un groupe
ici en étant en n'ayant pas de symétrique. Sachant qu'on peut aussi échouer différemment. Alors je vous montre les différentes manières d'échouer. Alors, on pourrait échouer sur l'associativité. Par exemple, si je prends z avec moins 0. Donc ici, tous les axiomes sont vérifiés, sauf l'associativité. Pourquoi ? Parce que si je fais a moins b moins c, c'est différent de a moins b, le tout moins c. Donc là, ici, ce n'est pas associatif. Alors, où est-ce que je peux échouer d'autre ? Je peux échouer si je n'ai pas d'élément neutre. Donc là, il n'y a pas l'associativité. Comment est-ce que je peux échouer à avoir un élément neutre ? C'est très simple, j'ai juste à retirer l'élément neutre et j'échoue. Mais je vais vous donner un petit exemple. Si par exemple, vous connaissez le jeu des allumettes. Imaginons qu'on joue au jeu des allumettes, où on a des petites allumettes, et on a le droit d'en retirer une, deux ou trois. On n'a pas le droit de retirer aucune allumette. Donc il n'y a pas d'élément neutre. On ne peut pas juste ne rien faire. C'est interdit. Ok. On a vu comment on pouvait échouer en n'ayant pas de symétrique. Donc si on n'a pas de symétrique, là on est juste un monoïde. Hein. Par exemple, on a vu les chaînes de caractères. Les strings. Et alors, on peut aussi échouer si on n'est pas une loi de composition interne. Donc là, il y a deux manières d'échouer à ne pas être une loi de composition interne. Alors, je vais vous donner par exemple l'ensemble des fonctions. C'est pas un ensemble, mais la collection des fonctions avec la composition. Alors, je vous donne un exemple. Imaginons que j'ai une fonction qui va de n dans r. Mettons que f va de n dans r. Et j'ai une autre fonction g qui va des réels dans les relatifs. Mettons. Je peux bien composer g rond f, parce que ça va bien. Ça a bien fonctionné, puisqu'on va aller de n dans z. C'est-à-dire que si je fais un petit dessin, hop, on peut bien faire g rond f. Donc ça change juste l'ordre, mais il faut bien penser que c'est f puis g. Mais je ne peux pas faire f rond g. Ça n'existe pas. Pourquoi ? Parce que je ne peux pas aller des réels dans les relatifs, et ensuite aller des naturels dans les réels, puisque les relatifs, c'est différent des naturels. Donc je ne peux pas les composer. Je ne peux pas faire... je ne saurais même pas comment le dessiner. Je ne peux pas faire ceci. J'ai aucun moyen ici de relier les deux canoniquement. Je ne peux pas les composer, puisque ça, c'est différent de ça. Ok, donc là, on peut échouer à être une loi de composition interne. Donc là, on échoue comment ? On échoue ici parce qu'il y a certains éléments qui ne sont pas composables. Okay ? On peut aussi échouer du deuxième côté, c'est-à-dire qu'on peut échouer si jamais on n'arrive pas dans notre élément d'arrivée. Alors là, un exemple, ça peut être, par exemple, si je prends 0, 1, 2, muni de l'addition usuelle. Là, si je fais 2 plus 2, c'est égal à 4, et 4 n'appartient pas à 0, 1, 2. Donc c'est pas une loi de composition interne non plus. Donc on a vu toutes les manières d'échouer pour être en groupe. Super. J'espère que ça vous a été utile. Dans la vidéo suivante, on voit ce que c'est qu'un anneau et un corps.